Demain, c'est week-end, donc c'est grasse matinée. Ok? D'habitude, vous voyez à 6h, vous avez vu, là, vous voyez les sourcils clairs, vous avez vu ou pas? Là, vous les voyez bien. Vous voyez la différence? Ça qui a changé sur mon visage. Tout à l'heure, vous ne voyez pas la lumière, mais là, vous voyez bien. Je vais mon masque. Je suis désolée, je laisse couler un peu l'eau parce qu'elle est trop froide. Ça change tout. J'ai pris 50 piges là, dans la tête. Vous avez fait. Super soirée, super super soirée. C'était top. J'ai refait les papiers du chat là. J'ai rechangé des petites modalités et tout, on verra. Là, au moment début de semaine, c'est bon, mais waouh, c'était trop dur. Mais je vais tout vous expliquer comme ça. Si un jour, depuis que t'as déménagé à Dubaï sur les animaux, n'abandonnez pas vos animaux vraiment. Et venez ramenez-les jusqu'au bout, suivez-les jusqu'au bout. Je suis grave contente parce que vous m'avez tout dit que j'ai embelli. Je suis grave contente, mon pote. Un petit peu de blanc. Vous avez vu mes sourcils là? J'aime bien dépasser mes lèvres. C'est pas moche, hein? Ah, ça pique les yeux, par contre. J'arrive te voir. Ne regarde pas cette story la nuit. Je vais te rejoindre. Ouh. Et j'en peux plus de moi. Enfin libre de mes mouvements. Hier, en fait, j'étais. Voilà, la chaise n'avait pas fixé, j'étais limitée sur ça. Bon, j'étais mal mes cheveux. Mon brushing, demain je vais le retaper un peu puisque avec l'humidité et tout, il est parti en vol. Demain j'ai des petites courses à faire, je vais passer à Sephora aussi. Je vous raconterai tout de toute façon. Attends, en temps réel en fait. Oui, il est rattrapable encore, il est pas encore mort. Je vais faire un petit coup de vent et tout. Un peu le soleil parce que là, Blanche-Neige est dans la place. La petite Blanche-Neige. Blanche-Neige. Je vais pas épiler, mais c'est pas méchant. Il y a pire dans la vie. Je suis pas très glam là, mais bon. Être mon dressing, regardez, j'ai juste appuyé là. Puis ici, regardez. Et il s'éteint. Pareil pour le reste. Là, j'ai fermé mes volets. Je vais faire ma main par. Attendez, mes poupettes. Hop. Alors, j'ai des poupettes aujourd'hui qui m'ont dit: mais ma chérie, les volets, ils sont pas opaques et tout. Je vous explique. Les stores, ils sont opaques, mes poupettes. Le matin, il y a 80% de lumière réduite. Il y en a encore un tout petit peu, mais ça ne nous réveille pas. Voilà. En gros, vraiment, alors là, je suis honnête avec vous, vraiment. Genre, ça fait largement l'affaire comparé à ce que c'était. Vous imaginez, regardez, je dormais avec des volets vraiment ouverts. Là, vraiment, ça fait l'affaire. Donc, c'est pas tout réduit à 100%, mais c'est très bien. Genre, ça fait largement l'affaire, je vous jure. Genre, ça ne réveille pas. C'est une petite lumière vite fait tamisée. Genre,
voyez, comme si on fermait les volets à moitié en France. Donc, ou bien les fermer, et voilà. Le meilleur moment. Hop. Attention, 1, 2, 3, surprise. J'ai un drap. Tellement terminé parce que j'avais pas de drap, et voilà. Hop là, ça c'est de la déco, ça sert à rien. C'est bien beau, mais ce n'est pas pratique. Hello mes poupettes, ce matin c'est très très dur, je vous montre ma petite routine in the morning. Petit nettoyage du visage, ensuite tu fais mousser, tu fais mousser, tu fais mousser. Surtout une chose, n'oublie surtout pas de te brosser les chicots, car le matin c'est hyper important. I'm sorry, c'est une étape à pas rater le matin. Tu feras, t'hésites pas sur la brosse à dents, surtout, surtout n'hésite pas. Tu nettoies ton petit visage tranquillement, ensuite tu pars à la douche, tu vas te savonner un petit peu de rituel, un peu de musk intime. Tu te mousses, voilà, tout simplement. Il faut se mousser, c'est important. Tu te changes pour le début de journée, ça va pas être ma tenue finale, mais tu te parfumes, déo, voilà. J'ai mis le petit bandeau devant, oh my god, c'est dur pour moi ce matin. J'ai mis le petit bandeau devant, je pensais vraiment faire une grasse matinée. Et que les enfants aussi, vu que hier ils ont dormi extrêmement tard pour eux, en vrai. 23h ici, 21h chez vous, mais maintenant ils sont réglés à 20h ici, donc 3h, c'est Anna, elle était comme ça, elle me disait « Maman, je vais dormir, ça y est, et tout. » Du coup, elle s'est endormie, donc je me suis dit « Bon, 23h, ils vont me laisser au moins jusqu'à 10h. » Mais non, ils dorment à 23h, mais ils se réveillent quand même à 7-8h. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et là, ils doivent être KO, là. Et là, ils doivent être KO, mais peut-être ça. Ah, mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai plein d'achats à faire, je vais aller à Sephora et tout. Je vais faire un peu de shopping, faire des activités. Je suis là, mon cœur, je suis là. De ma vie, trop chaud. Je suis en train de les préparer pour plus d'activités là que j'ai vu un peu partout. Donc là, le balou, il met sa petite mousse. Allez, mets la main. Attends, j'ai le mot. Attends, ma vie. Tiens, mets ta main, ma vie. Mets la main. Allez, rentre la main. Voilà. Il est content, ma vie. Mais il est beau, mon fils. Et l'autre, tiens. On va faire de la peinture avec ma maman. Mais non, grâce à une éponge, on va réussir à faire des papillons, ma maman. Franchement, j'ai hâte, maman. Et voilà. Comme c'est Anna, tu veux t'asseoir, je te ramène la chaise? Oui. Allez, vas-y, ok, mon cœur. Ils sont très très bien installés comme des grands d'amour. Comme des bébés d'amour. Comme ça. Petite éponge comme ça, ok. On va faire un papillon comme ça avec un petit élastique. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous allez dire, mais maman, ça où toutes ces idées? Bah, tu sais, je vous ai où c'est Anna les idées? Oui. Un peu partout sur TikTok, un peu partout. Donc là, vous allez venir prendre un élastique, vous allez refaire un deuxième nœud comme
comme ça, jusqu'à obtenir un petit papillon que vous allez presser comme ça. On va tremper dans la peinture et on piquera le petit papillon. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? On te regarde. Hein. On trempe un petit peu le papillon et on vient et on pose notre petit papillon et on s'en va. Ah, Calice! Balélo! On refait. Tu veux le faire, mon cœur? Allez, vas-y, tiens, vas-y. Appuie bien, bien, bien. Appuie bien sur le papillon, voilà. Doucement. Attention, Calice. Alors, voilà, tu le poses et tu le bouges plus après. Vas-y, pose. Appuie fort, fort, fort partout. Tu peux appuyer comme ça partout. Et là, vas-y, lève ton papillon. On va voir, Calice. Attention, ma vie. Oh! Mais... Là, pourquoi c'est pas le loup, là? Là, tout est fait mon papillon. On va refaire. Allez, vas-y, mon cœur. Calice, non. Arrête! Hé! Ah oh, non, bah, loulou, non! Oh, mon Dieu. Toi aussi, t'as ton papillon. À l'appui. Bravo. Bravo. Et moi? Bravo, mon cœur. Et toi, ma vie? Toi, ma vie, t'as celui-là, toi. Vas-y, allez, donne-lui qu'il finisse son papillon. Et nous, après, on va décorer nos petits papillons. On va mettre des petites antennes, des avec du feu. Parfait, parfait, Baloulou. Ça, c'est parfait, mon fils. Et là, ça y est, on peut poser ça. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc là, vous prenez vos papillons chacun. Attendez. Okay. Maintenant, on fait quoi avec nos papillons? Pose pour être super créatif, ce serait par exemple, tu prends un feutre comme ça, rose. Tu vois? Et tu lui fais ses petits yeux. Les petits yeux d'un papillon, c'est ici. Tu fais un trait ici, un petit rond, un petit rond. Okay. Tu vas t'en sortir ou pas? Okay, t'es sûre? Oui. Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Magnifique, mon amour. Parfait. Tu peux les colorer. Ah, par contre, là, tu lui as fait trois yeux. Mais t'as le droit. Okay. Tu veux lui en faire encore un quatrième? Oui. Ok. Ça va. Ok. Ce que je peux te conseiller, c'est que tu peux colorier les petits yeux comme ça, regarde. Ok. Okay. Non, Calice, non. Surtout pas le papillon, Sana. Attention. Oh mon Dieu. Ah. Applique, mon amour, et tu ne dépasses pas, ok? Non, là, regarde, c'est pas coloré en entier, regarde. Ici, par exemple, regarde. Tu peux ajuster le rond comme ça et tu colories bien comme ça. Ok. Et surtout, regarde, là, t'appuies sur le feutre, ça déchire la feuille. Faut pas appuyer. Faut juste y aller tout doucement comme ça. Oui, mon amour. Oui, on va laver les mains. Ok. Ok, tu vois ou pas? Ok, ouais. Ok, mon cœur. Je vais montrer l'exemple de faire le tour. Elle m'a fait ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est à la prend. Ok, mon cœur, super. Seyana. Dubaï. Fait à Dubaï. Le 29/09/2023. 3 ans. 3 ans, mais moi, c'est 3 ans, ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ça?